communauté dans le monde. Merci beaucoup, Président Serti Diagne Gadiou, Babacar Diatta, vous l'avez bien énuméré et contextualisé le débat. Ce sera le racisme aux États-Unis et les Afro-Américains face aux violences policières. Le contexte n'a pas changé après la mort de plusieurs fils qui sont en tout cas qui sont originaires, dont leurs parents sont originaires de l'Afrique. Nous aurons d'éminents professeurs autant que vous, dont vous avez côtoyé. Il s'agit de la première partie de parler de vous. Comme Pape Diatta a fait une brève présentation de votre personnalité, et vous aurez aussi votre ami, votre partenaire de longue date. Il s'agit du professeur Kenneth Molefi Asante, né Arthur Litt-Smith, donc président du département des études africaines américaines à l'université de Philadelphie, membre fondateur du Journal of the Black Studios. Donc vous reviendrez présentement sur son parcours. Vous aurez aussi Omar Ba qui sera parmi nous. Il est résident à Bruxelles. Il est le président de European Network African Descendant et consultant en diversité. Dans la deuxième partie, vous aurez également Jomaye Ndongo Faye qui habite à New Jersey aux États-Unis. Il est docteur en sciences politiques, activiste panafricaniste et membre fondateur du mouvement fédéral panafricain. Vous aurez aussi Damani à l'Atalanta aux États-Unis. Il est le professeur d'histoire, d'études et culture africaine à Atalanta, activiste et fondateur du conseil régional des Africains et dans les Amériques. Dans la troisième partie, vous aurez Dr Amina Diop. Elle est docteur en sciences, titulaire d'un master en communication interpersonnelle. Elle a eu 13 ans de service à l'Université de New York au département de l'administration. Vous aurez également Dr Mohamed Mbodje de New York, qui est ancien chef du département d'histoire de l'Université Sianta Diop dans les années 1970-1994, actuel professeur d'histoire et de docteur et d'études à Manhattan, au collège de Manhattan College de New York. Dans la toute dernière partie, vous aurez Mohamedou Samba de Washington, actuel directeur de cabinet du maire de Washington, activiste leader dans l'engagement communautaire afro-américain, et Seydi Gassama ou Boubacar Sey, qui est d'horizon sans frontières et qui seront parmi nous. Mesdames et messieurs, voici le contexte des personnalités avec lesquelles nous allons entretenir ces débats. Merci de nous choisir. Merci de choisir la 103.9 en compagnie de Babacar Diatta, la technique Mauro Malingoud, à la réalisation le docteur Serti Diagne Ba qui est parmi nous. Mais pour démarrer, docteur Serti Diagne Gadiou, après tant d'années de combat, nous voyons qu'aujourd'hui, les Africains, en tout cas les Noirs africains, sont en train d'être tués de façon, comme vous pouvez le qualifier avec vous-même. Vous avez fait le constat, vous êtes indigné hier, non seulement pas plus tard qu'hier, au niveau de la France internationale, pour dire que, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la police américaine est raciste? Alors, il y a des policiers américains racistes. Il y a d'autres policiers américains issus de la communauté noire, de la communauté blanche, la communauté hispanique, qui ont quand même pris conscience et qui se sont démarqués de certaines pratiques. En vérité, il faut se demander si ce sont les policiers qui sont racistes ou si c'est l'institution de la police qui est structurée de façon raciale, à l'exclusion des Noirs, exclusion des autres communautés et la répression justement des Noirs. Et s'ils n'ont pas hérité du passé esclavagiste de l'Amérique, l'homme noir, qu'il faut toujours dompter, qu'il faut toujours terroriser, qu'il faut toujours mettre en prison, si possible qu'il faut lyncher et pendre, et si possible qu'il faut effectivement tuer. Et on a découvert une nouvelle méthode, c'est mettre un genou, ce que j'appelle un genou meurtrier, criminel, sur le cou d'un être humain pendant 9 bonnes minutes. Et au-delà de 6 minutes, cette personne ne bougeait plus. On savait qu'elle avait quasiment perdu la vue. Et pour être sûr qu'il est bien mort, le policier a quand même gardé son genou sur son cou pendant encore 3 bonnes minutes. C'est un acte odieux, c'est un acte d'une rare violence, d'autant plus que la personne était d'une sérénité, l'assassin, d'une sérénité, d'un calme et d'une conviction que ce qu'il faisait était OK, était normal. C'est-à-dire traiter un noir comme un animal et le tuer, à la limite même quand vous prenez un chien, ou vous prenez un chat ou n'importe quel animal et vous lui posez votre genou sur le cou jusqu'à l'étouffer et que ce soit filmé, vous aurez le monde entier contre vous, a fortiori quand vous le faites à un être humain. Donc sous ce rapport, je pense que l'Amérique a un sérieux problème et je trouve maintenant que le moment de la rupture historique est arrivé.
plus rien ne doit être comme avant à partir de cet incident. George Floyd est devenu un martyr malgré lui. Il est entré dans l'histoire et il y aura l'Amérique avant George Floyd et l'Amérique après George Floyd. L'Amérique avant George Floyd et l'Amérique après George Floyd. Dans 10 minutes bientôt, Chetiyan Gadio, nous vous aurez en ligne le professeur Molefi à santé aux États-Unis et Oumar Ba à Bruxelles. Babacar Diatta, voici en quelques minutes d'introduction pour lancer le débat effectivement avec le docteur Chetiyan Gadio avant de lui balancer la deuxième question que je voudrais lui poser. Est-ce que vous avez quelque chose à lui demander? Justement, à entendre parler le professeur Chetiyan Gadio, je vous l'avais dit une fois, on sent nettement la maîtrise du sujet. Moi, je voudrais revenir par rapport à ce qu'il a dit. Il a dit tout à l'heure, moment de rupture historique est arrivé. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait concrètement pour pouvoir arriver à ce stade? Alors, il est arrivé que la réaction de l'opinion, d'abord américaine et ensuite internationale, a été une réaction qui a pris tout le monde de court. On pensait qu'il y aurait quelques protestations ça et là, quelques petites manifestations dans la ville de Minneapolis où notre frère George Floyd a été exécuté de façon sauvage et barbare, parce que, soit dit en passant en Amérique, dans la presse et dans les institutions de police et de justice, les mots sauvage et barbare sont réservés aux Noirs. C'est des mots qui collent aux Noirs. Quand un Noir commet un acte répréhensible, on dit, vous voyez, il a eu un comportement sauvage et barbare. C'est clair qu'il y a le fantasme de l'origine des Noirs et l'association du mot sauvage à la race noire, l'association du mot barbare à la race noire. Or, depuis un certain nombre d'années, si on faisait un sondage aussi, aujourd'hui, l'acte le plus sauvage, le plus barbare, le plus inhumain auquel nous avons assisté, c'est l'acte de ce policier, M. Chauvin, et dont le nom prononcé en français, Chauvin, est un nom qui prédit beaucoup de choses dans son comportement. Il a assassiné froidement un être humain, comme on assassine un animal, avec tous les symboles qui vont avec son comportement. Alors, quand je dis rupture, c'est que aujourd'hui ou hier, les Norvégiens vont manifester. Ils sont très loin en Europe, ils vont manifester. La France, un pays qui a un passé colonial, l'Angleterre, un pays qui a un passé colonial, ont programmé des manifestations pour soutenir George Floyd, dénoncer le racisme en Amérique ce week-end. Alors moi, le grand drame que je vis, drame personnel, c'est où est l'Afrique? Où est l'Afrique dans la programmation de la réaction du continent? L'Union africaine a posé un acte positif. Ils ont dénoncé, ils ont fait une déclaration au nom du président de la Commission de l'Union africaine. C'est bien, mais c'est tellement insuffisant. De sorte que nous avons maintenant fait des propositions. Peut-être que dans l'émission, on reviendra dans la partie « Que faire ?». Parce que « Que faire ?» est la question historique la plus importante depuis Lénine, avec son fameux livre dont le titre mythique « Que faire ?». Chaque fois que les êtres humains ne savent pas où aller ou ne comprennent pas une situation, ils doivent répondre à la question mythique « Que faire ?». Donc, je pense qu'on y reviendra. Maintenant, quand je dis qu'il y a une rupture historique, c'est que l'administration américaine actuelle, dirigée par quelqu'un de très, très spécial, pour ne pas dire plus, est dépassée par la situation. Hier, nous l'avons entendu dire que l'emploi a rebondi aux États-Unis, que c'est une très bonne nouvelle qui fera plaisir à George Floyd. Vous vous rendez compte ? Qui fera plaisir à George Floyd. C'est de la moquerie, c'est narquois, c'est du mépris, c'est une totale incompréhension de ce qui se passe en Amérique aujourd'hui. Donc sous ce rapport, je pense que la rupture, elle va être importante, et c'est là où je dis encore une fois aux Africains, ne laissez pas les autres définir pour vous ce qui sera le monde après George Floyd. Ne laissez pas les autres y mettre un contenu. Le racisme n'existe pas qu'aux États-Unis.
Le racisme existe en Europe. Le racisme d'origine coloniale, d'origine esclavagiste, le racisme de négation de l'histoire africaine, le racisme qui dit que les Noirs viennent de l'obscurité totale. Comme disait l'autre, l'ancien président français, ils n'ont jamais eu d'histoire, ils ne sont pas entrés dans l'histoire ou pas assez entrés dans l'histoire. Or, l'honnêteté intellectuelle minimale commande de reconnaître que c'est nous qui avons inventé l'histoire. Parce que quand vous démarrez l'aventure humaine, quand vous démarrez la civilisation humaine, quand vous démarrez la race humaine, c'est vous qui êtes le créateur de l'histoire humaine. L'Afrique est la fille aînée de l'humanité. Et sous ce rapport, au lieu de nous applaudir, on nous nie tout. On nous dit que l'Égypte ancienne était habitée par des peuples qui ont disparu. Chahanta Diop dit qu'il n'y a aucun peuple qui a disparu ces 40 000 dernières années. Donc les Égyptiens anciens qui étaient là il y a 3000 ans, 4000 ans, ils ne peuvent pas avoir disparu. C'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous les Africains. Mais il faut, devant la majesté de la civilisation égyptienne, dire, il faut montrer que ce n'est pas une civilisation africaine. Donc nier notre histoire. Dire que nous venons de l'obscurité, c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes noirs. Et dire que nous n'avons, notre cerveau ne mesure pas, n'a pas la taille d'un cerveau qui peut donner des aptitudes intellectuelles. Chahanta Diop, pour moi, est le plus grand savant du XXe siècle. Il était noir et fier d'être noir. Et nous avons eu de grands mathématiciens, nous avons de grands physiciens à la NASA. Ceux qui ont conçu les plus grands programmes spatiaux de la NASA, c'était des noirs américains. Donc, voilà un faux débat qui nous est opposé. Par rapport auquel, comme je dis, on doit prendre nos responsabilités. Plus rien ne sera comme avant, c'est à nous d'y mettre un contenu clair. Et c'est pour ça que je dis combattre le racisme en Amérique, c'est la priorité aujourd'hui. Ensuite, combattre le racisme en Europe. Combattre le racisme en Asie. On a vu ce qui a été fait aux Africains en Chine. On a vu comment les Noirs indiens sont traités au bas de l'échelle parce qu'ils sont noirs. Et on voit malheureusement, y compris dans le continent africain, où des Noirs sont maltraités chez eux. En Afrique du Sud, pendant longtemps avec l'apartheid, mais aujourd'hui, alors il y a deux débats. Le racisme, c'est au nom de la supériorité raciale. Donc un noir sud-africain ne peut pas se prévaloir de la supériorité raciale parce qu'il est noir comme nous. Mais il y a la xénophobie, c'est penser que son pays est plus riche que le Sénégal, le Nigeria, et mal se comporter. Comme j'ai dit, ça nous affaiblit dans notre combat. Des gens qui sont combattus ne se combattent pas entre eux. Des gens qui sont combattus ne se combattent pas entre eux. On doit nous régler nos problèmes aussi à l'interne. Et personne ne nous donnera de la crédibilité si nous attaquons les violences faites aux Noirs à l'extérieur de l'Afrique et si nous nous taisons sur les violences faites aux Noirs à l'intérieur de l'Afrique. Des Maliens, Sénégalais et autres sont maltraités en Angola, dans les prisons angolaises. Ils sont arrêtés. On leur dit que c'est des migrants illégaux. On les maltraite, on les nourrit pas, on les frappe, on viole les femmes. Ça aussi, c'est des actes sur lesquels il ne faut pas fermer les yeux, et sur lesquels il ne faut pas se taire. Donc voilà un débat global assez important sur lequel je pense qu'il faut qu'on prenne tous nos responsabilités. Il faut qu'on prenne tous notre responsabilité. Le message est clair. Le docteur Cheikh Tidiane Gadio, docteur en communication, président du MPSL, président de IPS, Institut Pan-African Stratégie. Donc, Babacar Diatta, vous avez entendu, nous aurons une grande sommité parmi nous dans cette première partie. Il s'agit du professeur Kenneth Molefi Asante. Est-ce le présenter? Nous pouvons le faire, mais non. Lui qui a cheminé avec lui pendant de longues années, il ne vous avoue pas un débat sans pour autant parler de cet homme, de cette sommité. C'est un homme qui est un Africain, pan-africain convaincu comme lui. Ils ont participé à plusieurs combats ensemble. Docteur, avant que nous recevions en ligne le professeur Kenneth Asante, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous parler de Molefi Asante en 10 minutes? Alors, je commencerai par faire une petite correction sur son nom. Il s'appelle Molefi Kete Asante. Donc, Kenneth, c'est un nom européen. Et Molefi, qui est né avec un nom, on lui a donné un nom européen. Il a décidé, en faisant le tour de l'Afrique, de se fabriquer un nom. Et ça, c'est les enfants nés de l'héritage colonial, esclavagiste, etc., en Amérique, qui ont décidé que, ne connaissant pas leur nom de famille, certains ont leur prénom original, ils prennent un prénom, ils laissent le nom de famille hérité de l'esclavage. D'autres
changé tout. Et Molefi a tout changé. Il a fait l'Afrique du Sud, du temps de l'apartheid, participer au combat. Il a choisi le nom Molefi, qui est un nom sud-africain. Le nom Asante est un nom swahili, hein, pour parler de paix. Hein. Asante, il l'a choisi, il l'a ajouté à son nom. Et le mot Kété est un mot ghanéen qu'il a choisi. Donc vous voyez, Afrique du Sud, l'espace swahili et le Ghana, il a fabriqué son nom Molefi Kété Asante. Molefi est un brillant intellectuel qui a eu son PhD en lettres, donc en histoire. Et qui a couru à Dakar, il avait je crois 26 ans ou 27 ans, avec son doctorat en poche, il a couru à Dakar et il est allé faire le pied de grue à l'IFAN pour rencontrer Cheikh Diop, qui était l'idole de sa vie. Et quand il a vu Cheikh Diop, je parle du début des années 80, il dit à Cheikh Diop, professeur, j'ai rêvé de vous rencontrer, je vous ai toujours aimé, vous êtes la référence absolue dans ma vie, je viens vous montrer mon doctorat que j'ai conquis de haute lutte en tant qu'Afro-Américain, et je vous informe que je veux maintenant des directives claires pour mener le combat pour l'Afrique. Et à sa grande surprise, Cheikh Diop lui dit, petit frère ou mon cher neveu, l'Afrique n'a pas besoin de ça. Tout le monde combat pour l'Afrique. Le vrai combat aujourd'hui, c'est pour vous, intellectuels africains, de produire, d'écrire, de faire face à tout ce qui déforme notre histoire. Alors moi, je te conseille d'aller écrire. Tu as déjà écrit quelque chose. Molefi lui a dit non. Il dit, va écrire. Et cette directive de Cheikh, Molefi l'a tellement bien appliquée qu'il est l'intellectuel africain le plus prodige de l'histoire. Je le pense. Parce que Molefi, la dernière fois que j'ai compté, il avait écrit 86 ouvrages. Et il me dit, à cause de la directive de Cheikh, j'écris 2 à 3 livres par an. 2 à 3 livres par an. Il a même écrit un livre sur l'histoire, la nouvelle histoire générale de l'Afrique. Il a écrit un livre qui s'appelle Cheikh Diop, le portrait intellectuel. Il est allé jusqu'à Touba, il est allé dans le Cayor, il a enquêté partout. C'est lui qui a créé les études afro-américaines, African American Studies, à Temple University. Il a formé beaucoup de jeunes dans l'histoire africaine. Et il a écrit un livre de référence aux États-Unis qui fait le tour des facultés, qui s'appelle The Afrocentric Ideal, c'est-à-dire l'idéal afrocentrique, qui dit que l'Europe a déconstruit l'histoire de l'humanité pour la reconstruire autour des valeurs européennes et a pris l'Europe comme le centre de la culture mondiale, de l'intelligence et tout. Il dit, nous, au lieu de pleurnicher sur ça, recréons le monde autour de l'Afrique et faisons de l'Afrique le centre de l'intelligence, de la création et des civilisations. Et donc, nous créons l'histoire afrocentrique. C'est ça Molefi Asante. Il n'est pas un Africain-Américain intellectuel ou progressiste qui n'a pas lu Molefi Asante. Même Obama, quand il est arrivé au pouvoir, l'avait contacté, mais Molefi est un peu trop peut-être progressiste pour entrer dans des administrations libérales et autres. En tout cas, moi, c'est mon grand frère, c'est mon ami. En 2005, Abdoulaye Wade et moi, on l'a invité à faire partie de la délégation du Sénégal pour aller à une réunion sur le gouvernement continental à Abuja. Et on lui a donné un passeport diplomatique sénégalais. Molefi a pleuré. On lui a donné un passeport sénégalais, il a pleuré. Et il est allé effectivement à Abuja. Il a pris la parole devant Meles Zenawi, devant Museveni de l'Ouganda, devant Obasanjo, devant Abdoulaye Wade, devant Thabo Mbeki. Et il a lancé là-bas une phrase qui va me marquer pour toute ma vie, quand Molefi a dit, ce qui ont fait les États-Unis d'Amérique, ce sont des leaders qui ont le sens de l'histoire et le sens de la mission. Le sens du destin et le sens de la mission. Vous, président africain, le peuple africain vous écoute. Est-ce que vous avez le sens de la mission? Est-ce que vous avez le sens du destin? Tout le monde a applaudi. Président Abdoulaye Wade est aux anges. Et Molefi a été adopté par le Sénégal et se considère aussi donc comme Sénégalais. Voilà. Le professeur Molefi Asante Pabakar Diatta. Donc c'est ça, avant de lui poser la deuxième question qui va relancer carrément le débat, avant que nous prenions en ligne le professeur Molefi Asante Omar Ba de Bruxelles, certainement à la réalisation, Cheikh Ba, le directeur de la radio Convergence FM aujourd'hui, qui nous sert de réalisateur avec Mordo Malik Boudje et notre consoeur Korka Varor, il va atteler à nous donner le professeur Molefi Asante, certainement qu'il est en train de
de tout faire pour le voir en ligne. Babacar Diatta, vous avez d'autres questions par rapport à poser encore au docteur Sétiane Gadio? Sinon, je lui... Peut-être revenir par rapport à son intervention, parce qu'il a parlé de sa déception par rapport à la réaction de l'Afrique. Aujourd'hui, pour lui, l'Afrique n'a pas réagi assez avec la déclaration de peut-être de l'UA, mais il reste beaucoup à faire. Et selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce que les Africains doivent faire par rapport à ce combat? Alors, les Africains doivent poser deux actes majeurs. Manifester partout notre réprobation. Ce que j'appelle la rue africaine ne doit pas accepter que la rue européenne, la rue américaine et toutes les autres rues nous dépassent en manifestation d'indignation et en mobilisation autour de l'événement tragique qui est arrivé aux États-Unis. Donc, sous ce rapport, je pense que nous devons bouger. Maintenant, il faut qu'on soit très clair. Nous n'appelons ni à la violence, ni à la haine. Nous avons été victimes d'une violence inouïe. Nous ne retournons pas ou nous ne réglons pas le problème avec la violence. Nous avons été victimes d'un acte de haine sans précédent. Nous ne réglons pas le problème en retournant avec un acte de haine. Ce qui fait que quand on rejoint quelqu'un dans la haine, nous sommes maintenant kiff-kiff et nous sommes tout à fait au même niveau. Il faut que les Africains montrent que nous avons compris que les Afro-Américains, les Africains américains, depuis l'appel de Malcolm X, d'abord de Marcus Garvey, qui avait dit qu'il n'y a qu'un seul peuple africain, les Africains chez nous en Afrique et les Africains dans la diaspora, Africans abroad. Et donc, nous sommes d'accord. Il y a une unicité du peuple africain. Deuxièmement, Malcolm X est allé à une réunion de l'OUA, la deuxième grande réunion de l'OUA, pour dire aux chefs d'État africains, on nous a volé, arraché à l'affection du continent, implanté dans les Caraïbes et aux États-Unis depuis 300 ans, maltraité, esclavagisé, tué, massacré, et aujourd'hui victime du racisme, l'Afrique n'a pas le droit de nous abandonner. Vous êtes nous, nous sommes vous. Et il dit aux chefs d'État africains, vous êtes les bergers de tous les peuples africains, ceux qui sont sur le continent comme ceux qui sont en Amérique. Et nous sommes victimes de racisme, d'agression policière. C'est incroyable que Malcolm parle d'agression policière en 1964. Et aujourd'hui, donc, par rapport à la situation actuelle, nous avons renoué tous les fils et nous devons nous manifester notre indignation, notre colère et par-delà cela, maintenant, poser des actes concrets. C'est le deuxième élément. Je propose que tous les chefs d'État africains, à l'unisson, sans aucun défaillant, aillent aux Nations Unies présenter une résolution ou une motion à l'Assemblée générale et demander une condamnation ferme des États-Unis d'Amérique dans les violences policières contre les Africains américains et condamner tous les peuples du monde et tous les pays du monde qui maltraitent les Africains, qui tuent les Africains dans les rues et qui ne les attaquent que pour une raison ou deux raisons. Un, qui sont noirs et deux, qui sont africains. Et ça, il faut y mettre un terme et c'est possible aux Nations Unies. Et c'est possible aux Nations Unies. Et là, nous avons en ligne le professeur Molefi Asante, donc, qui est en ligne depuis les États-Unis. Exactement où il se trouve avec Omar Ba. Omar Ba, il est résident à Bruxelles. Il est également professeur, président donc European Network of African Descendant et consultant en diversité. Mes chers, bonjour. Allô? Allô, Monsieur Ba? Allô, bonjour. Bonjour, professeur Molefi Asante. Alors, on va s'atteler pour les avoir en direct. Donc, ils sont en train de s'affairer sur ça au niveau de la technique. Président, nous allons aller au fond du débat pour parler de notre deuxième question. Aujourd'hui, les émeutes, comme vous l'avez dit, de façon circonspecte, la question qui est aujourd'hui la mort de George Floyd, cet Américain, citoyen américain de 46 ans, donc, qui a laissé lui derrière des enfants et une dame. Donc aujourd'hui, sa famille pleure. Hier, les funérailles il a été enterré. Et on a vu tout le peuple américain était en pleurs. En tout cas, la plupart des citoyens, en tout cas noirs américains qui sont basés, disent que ça suffit. Est-ce que avec la surreprésentation des noirs dans les victimes policières, dans les milieux carcéraux, est-ce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le racisme aux États-Unis? Oui. Yes. Alors bonjour. Bonjour.
Hello, hello, hello. Hello. Brother Molefi, can you hear me? He's not online. Sheikh? Oui. Brother Molefi, can you hear me? I think the Sheikh is going to connect us back to the radio. Okay, all right. Now who's talking, Omar or Molefi? Allô? Alors, il y a un télescopage de deux voix. Allô. Molefi et Cheikh, Omar. Alors, je pense qu'il donc, peut-être faut les prendre un par un. L'un entre d'abord et puis ensuite, on essaie de faire entrer le deuxième. Je les ai entendus tous les deux, mais en même temps. Alors, on va essayer, le président, sans tarder, de s'affairer à tout ça. Donc, avant qu'il nous donne le... on était par rapport aux émeutes, aux contestations, aux soulèvements, par rapport à cette énième, les chiffres sont ahurissants et sont accablants. Donc, ça fait mal au cœur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'avec la surreprésentativité des Noirs au niveau des milieux carcéraux, avec dans les émeutes, les assassinats, est-ce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, le racisme est une donnée structurelle ou systémique dans la société américaine et dans les institutions américaines? Non, le racisme est effectivement systémique. Le racisme est systémique précisément parce que depuis l'esclavage, comme je l'ai dit, celui qui le premier a décidé qu'il faut aller chercher les Noirs pour les amener en Amérique, les faire travailler dans les plantations. Ok, cher. Oui. Allô, cher. Allô? Oui, je vous entends. Ok, voilà. Allô? Hello. Hello, Molefi is here. Yes, brother Molefi, how are you? My brother, I am very, very kind. Thank you so much and very well. Thank you so much for your introduction. Did you hear the introduction? I did. It was profound. I wondered who it was you were introducing. No. I told them. I thank you. No. Molefi dit qu'il a entendu l'introduction que j'ai faite de lui. Et puis il dit il ne sait pas qui méritait cette introduction, lui ou moi, mais en vérité c'est lui. Et Molefi est un héros intellectuel. Je pense honnêtement que lui et le professeur Obenga sont les deux plus grands héros intellectuels actuels du continent africain et des peuples africains en général. Donc, Molefi, je vais peut-être laisser nos amis ask you a few questions, te poser des questions. Oui. Et après, parce que moi, j'ai beaucoup parlé. Hein. J'ai essayé d'occuper la scène. I try to manage everything until you come on board. So, am I going to ask them to, you know, to put some questions to you, and then I'm going to take all a right. break and listen. Yes. So, okay. Thank you very much. And if I can help with the translation, if Omar is on, that's fine. If not, I can help with the translation. Okay. Thank you. Ok, le professeur Molefi a chanté pour vous dire en français bonjour, on peut vous dire how are you, on peut vous dire hello, on peut vous dire tout ce que vous voulez en anglais pour juste vous souhaiter la bienvenue sur les centres, la 103.9, la radio panafricaine. Wish you welcome on the panafrican radio. Yes. Thank you. Merci beaucoup. I'm delighted to be here and I'm delighted to be on the panafrican radio and I want to also thank. My brother Sheikh Tidiane Gadio for his introduction of me to the English audience. D'accord. C'est avec un grand plaisir que je suis présent dans le centre radio et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier mon frère Monsieur Sheikh Tidiane Gadio. Alors, Omar Ba, vous êtes à Bruxelles, c'est en Belgique. Donc là, vous êtes le président de Network of African Descendants et consultant en diversité. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. D'accord. Alors, sans plus tarder, nous allons revenir à vous tout à l'heure, mais nous sommes avec le professeur Kété Molefi Asante, donc qui nous écoute apparemment. Notre première question au professeur Molefi Asante, c'est est-ce que dire qu'aujourd'hui, après cette situation qui prévaut aux États-Unis avec la mort, et une énième mort d'un autre noir américain et qui se trouve être George Floyd, est-ce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, cette police-là qui continue à faire, à tuer des êtres humains comme eux, est-ce qu'on peut le dire qu'ils sont racistes? Actually, with the actual situation of Afro-American being killed by the police and by fellow humans as them, can we still say that the police is that America is racist?
Yes. Okay. Okay. Let me say this: that America, the United States of America, was born in racism. Laissez-moi dire que les États-Unis sont nés racistes. Le pays a toujours été raciste. It came into existence with two fundamental problems. Les États-Unis sont nés avec deux problèmes fondamentaux. Mm-hmm. The first was the decimation, the destruction of the native peoples. The first was the destruction, the killing, the massacre of the native peoples. Le premier problème était le massacre, the peuples native Americans, c'est-à-dire les Indiens d'Amérique. The second was the enslavement of the African people. Le deuxième, c'est l'esclavage des Africains. Mm-hmm. Yeah, the killing of our people has not stopped. Le massacre de nos gens n'a jamais cessé. The first Senegalese that we know of who came to the U.S. was... Le premier Sénégalais. Yeah, the first person from Senegal to arrive in the U.S. was a young girl by the name of Binta. La première Sénégalaise qu'on connue est une jeune fille du nom de Binta. Who became known as Phyllis Wheatley, qui après a été plus connue sous le nom de Phyllis Wheatley, who was the first person of African descent who had a book published in the U.S. qui a été la première personne d'ascendance africaine qui a publié un livre aux États-Unis. So which means that our first intellectual would have been a Senegalese. The African American's first intellectual was a Senegalese, Phyllis Wheatley. Donc, ce qui voudrait dire que la première intellectuelle, ou bien le premier intellectuel d'origine africaine était d'origine sénégalaise, Phyllis Wheatley. However, white racial supremacy was a persistent problem from the very beginning. Cependant, white racial supremacy as a doctrine, as an idea, was a persistent problem in the United States. Donc, cependant, la doctrine de la suprématie blanche a été un problème persistant depuis le tout début. So we are now 40 to 50 million Africans in the U.S. We are now 40 to 50 million Africans who live in the U.S. Aujourd'hui, on est entre 40 et 50 millions d'Africains qui vivent aux États-Unis. Consequently, we have always fought the idea. We have always combated. We have always resisted the idea of white supremacy. On a toujours résisté à cette doctrine, à cette idée de la suprématie blanche, contre cette doctrine de la suprématie blanche. Police violence. The police violence is the latest example of the attempt to control the black population. La violence policière est le dernier exemple d'une tentative de contrôler les populations noires, les populations africaines. The major cities in the U.S., the major cities, the major urban cities are predominantly non-white. La plupart des grands centres urbains aux États-Unis, des grandes villes, sont pas à majorité blanche. But the
police forces are predominantly white. Mais les forces de police sont majoritairement constituées de personnes blanches. Oui. So the problem is that George Floyd is just the latest public example of the killing of black people. Donc, l'exemple de George Floyd n'est que le dernier exemple public connu du meurtre des personnes noires. There was an organization that was called the KKK among white people. There was an organization called KKK. Il fut une organisation connue sous le nom de KKK, Ku Klux Klan. Yeah, that's right. That was used to intimidate Africans. Qui a été utilisé pour intimider les Noirs, les Africains. But we were able to get that organization outlawed. We were able to get that organization outlawed so that it no longer exists. On a réussi à travers le temps à faire en sorte que cette organisation devienne hors la loi, afin que cette organisation ne puisse plus exister. However, many of the people from that organization became police. Cependant, la plupart des gens de cette organisation aujourd'hui sont devenus des policiers. And they carry out, they conduct the same policies as the KKK. Et ils conduisent toujours la même vision, la même politique que le KKK. This is the basic problem that we confront. Ça c'est la base du problème auquel on est confronté. What we call racism is a philosophy of white racial supremacy. Ce qu'on appelle racisme, c'est une philosophie de ce qu'on appelle la suprématie blanche. Exact? Yes, which means that we are fighting each day in almost every sector of the society: education, housing, health, economics. All those sectors, we are fighting to maintain a sense of equality. Donc, chaque jour, en fait, on se bat dans différents secteurs, que ce soit au niveau de l'éducation, la santé, l'économie, l'habitat, afin de préserver un sens de l'équité, un sens de l'égalité contre cette doctrine. So, we are not, we are confident that we will win this victory. On est confident que un jour on gagnera et qu'on va gagner. Any questions? Autre question? Alors, donc, nous avions entendu la première question du professeur Moulefi qui était à santé. Et, docteur, vous avez entendu votre confrère avant que votre ami et votre grand frère, comme vous l'avez dit, avant de revenir, de donner le temps à Babacar Diatta de pouvoir lui poser peut-être une deuxième question. Je dois féliciter Moulefi pour la démarche qui est très, très systématique. Omar, tu traduis quand tu veux, hein, ou bien je résume ce que j'ai dit après en anglais. Ouais, non, en pause, comme ça, je traduis comme ça pour qu'il puisse suivre, quoi. Moulefi. So, brother Moulefi. Dr. Gadio says that he appreciates very much the systemic approach that you just outlined. Yes, the methodology is great because it helps people understand the origin of what is called racism in America. La méthodologie est bonne pour expliquer aux collègues l'origine de ce qu'on appelle le racisme. Vous vous rappelez au début, je disais que le racisme est systémique en Afrique, en Amérique. Le racisme est né quasiment avec les fondations de la société américaine, avec l'esclavage, bien sûr,
et toute l'histoire de l'esclavage. À la limite, ce ne sont pas les hommes forcément, mais ce sont les institutions qui sont bâties de telle sorte que le racisme vient naturellement dans leur comportement. Et je l'ai aussi ajouté peut-être une hypothèse que Molefi va certainement approuver, c'est que la démocratie américaine n'avait pas prévu d'inclure les Noirs. Les Noirs n'étaient pas une partie du deal, n'étaient pas considérés, de sorte que si on dit au monde que la démocratie américaine est vieille de plus de 200 ans, mais les Noirs américains ont eu leur Bill of Rights, leur droit civique dans les années 60. C'est ce que je dis toujours aux amis américains blancs pour les taquiner. Je dis que vous êtes une jeune démocratie. Arrêtez de dire que vous êtes une démocratie de plus de 200 ans quand un important segment de votre société n'a eu ses droits qu'au début des années 60. Et certains rigolent, certains rient jaune, d'autres sont tout à fait mécontents, mais je le pense. Molefi, I just said that I totally agree with, you know, the way you presented the whole thing, the history of racism in America. I said initially, perhaps before you were on board, that the only way to explain racism in the U.S. is to think it's a systemic racism that was born with, you know, the building of the American system based on, like you said, the decimation of and killing massacre of Native Americans, and then the denial to African people that they were human beings, and then they were used as merchandise, as, you know, tools. Commodity. Yes, commodity, exactly. Commodity to build the, you know, in plantations and later in industrialization, you know, the American economy. So the other thing I added is basically I used to joke with my white American friends that when they say that democracy is like 200 years old, I said, no, it's a lie. Yeah, because an important segment of your country, like black people, got their civil rights bill like in the early 60s. So based on that, then you were not a democracy, you were learning democracy, and some African countries even got to democracy before you. When I say that, some of them laugh, some of them are angry, but I basically think that's the reality. Well, it is the reality, but there is another part to that reality. We are now under threat of the democracy that has been gained, and part of what is happening with the convergence in the society of the pandemic and of racism and the pandemic of COVID-19. Is the situation at the leadership of the United States. And that has created a threat to the democratic ideal. Excellent. The democracy has always been an ideal. Mm-hmm. It has not necessarily been practiced. And we still see that, mm-hmm. of course, in regards to the African-American population, where the African-American population is about 15% of the U.S. population, but yet we make up more than 60% of the people in prison. That doesn't make any sense at all, mm-hmm. if you have a fair and equal society. Omar, you want to translate or you want me to summarize? Yes. It's all right. So I will just summarize. I will just say that, donc je vais dire que, voilà, donc le professeur Molefi dit qu'aujourd'hui la démocratie est menacée de par la convergence de la pandémie et du racisme, et que voilà, et qu'aujourd'hui, par exemple, que si on regarde bien la pandémie du racisme et pandémie de COVID-19, hein, la pandémie de COVID-19, oui, du corona, voilà. Donc la convergence des deux fait que vraiment il y a une réelle menace qui est là, et en plus de ça aussi, il faut constater que la population carcérale est majoritairement constituée de personnes de couleur, 50%, notamment noires, 50%, et voilà encore une illustration de ce qui se passe. Alors qu'ils sont 15% de la population,
Ils sont 15% de la population, 15% et 50% de la population carcérale. Et il a mis en cause le leadership actuel aussi des États-Unis. Voilà. Voilà. Allô? Allô? Oui, Omar? Oui. Voilà, donc nous sommes contraints par le temps. C'est vrai que le professeur Moulefi Assanté est trop intéressant et il a accepté d'être avec nous et c'est l'occasion pour lui dire au moins merci beaucoup d'avoir accepté ce temps d'antenne avec nous. Est-ce qu'il a un message aux populations africaines? C'est ce que j'allais dire. Un message d'une minute au moins que vous allez traduire. Et vous, en tant qu'activiste, en 15 secondes, vous nous donnez aussi votre avis par rapport à la situation. Très rapidement. Do you have a message for the African population, Mr. Molefi? Yes. My message to the African population is that it is essential that we embrace a pan-African vision for Africa, and that pan-African vision for Africa means Africa in the continent as well as in the continent's diaspora, right. And that has to be a vision that I call Afrocentric, where we ask ourselves, is this in the best interest of Africa? That is the first question we need to ask when we make decisions. And if we have a Pan-African vision, then we see our connectedness to George Floyd. We see our connection to the Africans who have been persecuted in Brazil, the Africans who have been persecuted in Colombia, and in